Bonjour, voilà, petit test aujourd'hui d'un chocolat chaud et d'un expresso. Donc là, j'ai allumé la machine à café. Elle a fait un auto-rinçage. Donc à chaque allumage, toutes les à peu près 30 minutes, voire un petit peu plus, elle fait un auto-rinçage automatique. Donc là, on va pouvoir commencer à faire le chocolat chaud. Donc vous mettez la poudre de cacao. Là, dans le pot à lait, il y a du lait froid, du lait demi-écrémé, hein, j'ai mis dedans, donc de préférence entier, parce qu'il y a plus de gras forcément pour faire la mousse. Mais tout ce qui est végétal, lait sans lactose, lait d'amande, lait noisette, lait d'avoine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Voilà, donc lait de soja aussi, donc tout ça, il n'y a pas de souci, vous aurez peut-être une moins belle mousse, mais voilà, là je vais tester avec du demi-écrémé. Avant, j'ai testé avec du sans lactose aussi, ça marche très très bien. Donc là, voilà, on peut régler bien sûr la hauteur en fonction de votre tasse. Si vraiment vous voulez utiliser un mug beaucoup plus haut, on peut enlever le récipient, le récupérateur d'eau, pour gagner un petit peu voilà, de hauteur, sans souci. Voilà, donc tout est branché, on appuie sur le lait, donc l'icône du lait, et après, dès que ça commence à couler, je vais réappuyer dessus plus longuement jusqu'à là pour arriver à la hauteur de ma tasse, tout simplement. Elle va faire bip-bip deux fois pour enregistrer mon choix, justement. Et puis la prochaine fois, il n'y aura plus besoin de rappuyer plus longtemps. Ça va être enregistré tout simplement. Donc là, juste attendre qu'elle coule, qu'elle distribue la boisson. Et puis après. Voilà, donc à partir de maintenant, j'appuie jusqu'en haut de la tasse. Après, bien sûr, il faut avoir assez de lait aussi dans le bol. Pour l'instant, on voit déjà la petite mousse qui se forme. Qui sait qui va prendre un bon petit chocolat chaud. Ça se remplit. Et quand j'ai envie, je lâche et ça va faire plus vite. Ça va enregistrer. Voilà. Là, ça va faire plus vite deux fois. Et voilà, ça m'a enregistré. Donc là, vous voyez, ça m'a fait vraiment un. Avec une bonne mousse. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais poser le téléphone avec une cuillère. Vous voyez, hop, la belle mousse, magnifique. Voilà, donc moi je vais vous montrer également un petit pochoir. On teste, hein. Voilà, ça j'ai pas encore testé d'ailleurs, avec une petite. Juste un petit peu, est-ce que ça suffit? Voilà, donc ça vous le fait. Il faut juste mettre un petit peu moins. Vous voyez, ça fait un petit pochoir. Donc là, c'est le pochoir, bien sûr, de la marque, hein, du logo Guy de Marle. Après, vous en avez d'autres, bien sûr, avec un smiley, des petits cafés, une petite lune. Il y en a plusieurs, voilà, sur la boutique. Et voilà, donc là, on a le petit. Chocolat chaud, tout juste agréable à boire. Voilà, avec cette petite mousse. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà, bon chocolat chaud. Donc même si j'ai mélangé, vous voyez, il y a quand même de la mousse encore. Voilà. Top. Donc là maintenant, je vais vous montrer pour l'expresso. Donc là, même chose, hein, je vais voir descendre tout en bas. Je vais débrancher ça. Après, je vais vous montrer aussi comment le nettoyer également. Vous voyez, c'est quoi? Je vais le faire tout de suite. C'est tout simple. Donc là, on va. Vous voyez, c'est pas aimanté, c'est magnétique. J'avais précisé hier. Hein, je me renseigne aussi tout doucement. Donc, on enlève le mousseur. Il y a juste à l'ouvrir pour bien sûr le nettoyer avec le lait, hein, qui reste dedans. La même chose pour le tuyau rincé à l'eau. Donc là, je vais juste le rincer.
Après, bien sûr, vous pouvez pas le faire, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, hein. Vous pouvez le faire au bout de 2-3 utilisations. C'est juste pour avoir toujours, comme d'habitude, une belle mousse. Et puis, une question d'hygiène aussi, hein. Voilà, donc là, je l'ai nettoyé, je l'ai refermé et j'ai juste à le remettre. Voilà, à le clipser et c'est magnétique. Voilà. Voilà, donc là, on va poser la petite tasse et je vais vous voyez. Montrer. Donc là, vous avez l'espresso, le lungo, cappuccino, latte macchiato, le mousseur à lait et l'eau pour le thé à 85 degrés. Donc là, je vais faire le cappuccino. Alors, normalement, il est déjà enregistré. Hein, monsieur l'a déjà enregistré. Donc là, c'est bon. Et il est quand même top quand même. Hein, avec cette petite lumière et tout. C'est pas trop beau ça. Donc après, bien sûr, on peut régler au niveau, pardon, pour le coup de fil imprévu. Donc là, du coup, vous voyez, on peut régler la mouture. Donc là, il faut le régler par contre pendant que ça, ça tourne, justement, dès que ça commence à moudre, et ben à ce moment-là, vous pouvez déjà régler. Donc là, monsieur a déjà réglé son petit expresso. Vous voyez, magnifique, avec une belle petite mousse et tout, c'est parfait. Voilà, donc pour le moment, je vous montre que ça, je vous montrerai un petit peu plus de choses en détail, le temps de justement découvrir moi également la machine, mais franchement pour le moment, c'est vraiment un régal, on s'amuse. Bientôt je vais pouvoir montrer aussi à ma fille comment faire, comme ça je vais pouvoir me faire servir, parce qu'elle est vraiment très très simple d'utilisation, très facile. C'est vraiment un régal. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous renseigner et je vous dis à bientôt.